Salut à tous. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup de bouquins électroniques, moi en ce moment j'en ai un peu, et j'ai remarqué une chose, c'est que le prix d'appel de 99 centimes maintenant a tendance à disparaître, et de plus en plus de bouquins passent à 2,99. C'est une remarque, et j'ai remarqué ça, en fait c'est aussi Agnès de Destination Passion qui m'a fait remarquer qu'une personne propose un bouquin à 2,99 en précommande. Je ne parle, elle pourrait prendre le prix Nobel, peu importe, mais ce qui m'a fait tiquer, c'est un paramètre précis. Je vous montre la page. Là, je n'en ai rien à foutre de la qualité de son bouquin, peu importe. Mais ce qui m'a fait tiquer, il est bien à 2,99 en précommande. Il sortira le 29 octobre. Peu importe la qualité du roman, je m'en contrefous. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est ça. Et je vais vous le mettre en gros de touche, voilà. Nombre de pages imprimées, 131 pages. 2,99 € pour 131 pages. Et ça fait quoi déjà un bouquin à peu près de 100 pages en format poche? Ben, je vais vous montrer ce que ça fait un bouquin de format. Un format poche de 100 pages, ça fait ça d'épaisseur. On va dire, allez, un petit centimètre d'épaisseur. Voilà. Donc, c'était un vieux pamphlet Crise de Sarkozystan de Arrêt sur image. C'était très marrant et qui décrivait pas mal de trucs. Mais il ne fait que 94 pages. Donc, si vous sortez un bouquin format poche de 130 pages, il doit faire quoi? Ça en épaisseur, à peu près? 1,5 cm? C'est pas excessif, quoi. 130 pages, ça se lit en quoi? En 3 jours? En prenant son temps? Bref. Et pour mémoire, la Kindle, moi j'ai une vieille Kindle Touch. Voilà, j'ai une vieille Kindle Touch. Vous voyez déjà, il y a facilement, on va dire, 1,5 cm, on va en sortir 2 bons centimètres sur l'écran par rapport à la taille, je crois que c'est 6 pouces de diagonale. Bref, donc sur une Kindle de 6 pouces, il faut rajouter à peu près 1 pouce, voire 1 pouce et demi de bordure. Et pourtant, la Kindle est plus petite que le bouquin pour ma poche. Donc là, si je mets les deux côte à côte, voilà, vous voyez, je les avais mis côte à côte au niveau de la tranche, voilà. Et si je vais sur le côté, ça dépasse légèrement le bouquin pour ma poche. Donc on peut dire qu'un bouquin format poche est légèrement plus grand qu'une Kindle, le modèle avant le premier modèle tactile. C'est dire si j'ai des matériels modernes. Bref. Donc déjà, vous voyez à peu près ce que ça fait 130 pages. C'est pas excessivement épais. Alors comment peut-on justifier 2,99 € avec 130 pages? J'avoue que je n'arrive pas à justifier. Mais il faut connaître un petit paramètre. Et ça tient en deux chiffres. 35%, enfin 30%. Et 70%. 30 ou 35% et 70%. Je vais vérifier, bon, j'en aurai les chiffres exacts en tête pour la suite. C'est le niveau de retour en droit d'auteur sur un bouquin vendu. À 99 centimes, vous avez 30 ou 35%. Mais si vous mettez à 2,99 €, ça grimpe tout de suite à 70%. La preuve? Pas de problème, je vous l'apporte. Il suffit d'avoir un compte sur Kindle Publishing. Voilà, là c'est ma page Kindle Publishing. Même si mon roman est marqué à 99 centimes, il est gratos. Et ce n'est pas de la pub. Il fait 214 pages. Je vais vous montrer après. Je reviens sur Kindle Publishing. Donc si par exemple je veux le faire remonter à 2,99, mettre payant et le mettre à 2,99. Donc je vais sur modifier les droits à la redevance et les prix. Voilà, c'est 35 et 70%. C'est-à-dire que si je vends un bouquin à... Je vais mettre un plus gros, bien sûr. Donc, en gros, si je vends un bouquin sur Amazon.fr à 35%, je touche 33 centimes par vente. Autant dire que si je veux me faire un SMIC, il faut que j'en vende à peu près 3 000. Mais si je passe la TVA à 70%, enfin la redevance à 70%, il faut que je sois minimum à 2,99. Et 2,99 à 70%, ça me fait 1,95 € de retour. Vous comprenez pourquoi nombre de personnes maintenant se disent au lieu de toucher 33 centimes, je passe à 2,99 € et je toucherai 1,95 €. Là, je ne modifie pas. Donc, en gros, on touche presque 2 euros par bouquin vendu. C'est beaucoup plus que dans l'édition classique.
Donc vous comprenez maintenant pourquoi même le petit bouquin à 130 pages se met à 2,99 €. C'est pour se dire, super, comme ça j'envoie une dizaine, une vingtaine, ça me fait un bon repas au restaurant. Faut compter 3 mois bien sûr pour toucher les droits d'auteur, mais c'est pour le principe. Donc si vous vous demandez pourquoi de plus en plus de bouquins, quelle que soit leur épaisseur, passent à 2,99 €, c'est tout simplement qu'on peut toucher 2 euros par bouquin. Et bon, on peut se demander, mais ça fait quoi? Bon. Et sur le plan de la longueur, ça fait quoi? Parce que bien sûr, là je vais aborder un autre point, c'est la longueur d'un bouquin. Combien, je vais prendre mon bouquin, mon exemple, parce que l'exemple que j'utilise le plus souvent. Quand j'écris au format brouillon, je prends une police de 12 points, un interligne de 1,5, ça me permet comme ça d'avoir en gros 300-350 mots par page. Pour donner une idée, quand je suis, et comme dit si bien un certain Micou Parisi, un écrivain raté et que je devais me pendre, là, il faudra que je retrouve l'article de loi, vous pouvez chercher le tweet, il n'existe plus. Hein. L'article de loi concernant l'incitation au suicide, je crois que c'est 3 ans de tôle et 75 000 euros d'amende, bref, peu importe. Donc quand je me mets à écrire de manière intense, j'essaie de respecter un rythme, c'est 1 000 mots par jour, 6 jours par semaine. En gros, ça me fait entre 24 000 et 25 000 mots par mois. Voilà, en gros, c'est ça. Si je prends mon dernier bouquin, celui dont je vous ai parlé, et que vous remarquez que je fais une pub énorme pour vendre un bouquin 0 euro pièce. Il fait 214 pages au format Kindle. Vous savez combien il faisait au format papier, enfin, au format, entre guillemets, brouillon? Enfin, brouillon fini, quoi, je veux dire, format tapuscrit? Pas de problème. Il ne fait, bon, il fait 50 000 mots, et il ne fait que 168 pages. Donc, en gros, on peut estimer qu'avec un. Mais je vous prouve bien que c'est du 1,5. Voilà. Si on a la propriété du paragraphe, c'est 1,5 avec une police de 12. Il fait 168 pages. Voilà. Donc, mon bouquin fait 214 pages sur 214, je crois que je vérifie. 214 pages environ. Avec une Kindle de ce format-là. 214 pages environ. Donc, si on estime que. En comptant bien sûr le terme des matières, ça va un peu, enfin, le terme des matières, ça va faire 170 pages, en gros. Donc, 214. Si on calcule, donc 214 pages, donc en gros, la mise en page, format Kindle, fait gagner 40 pages sur le texte d'origine. Donc, si on considère que les auteurs prennent à peu près ce genre de référence technique, ça veut dire qu'un bouquin qui fait dans les 130 pages doit en faire encore maximum 100 au format brouillon, enfin au format avant publication. Et 100 pages, c'est en gros un mois En gros, c'est 100 pages. Si on considère qu'une page, c'est 300 mots, donc ça fait à peu près des bouquins de 30 000 mots. Voilà. Donc si on respecte le principe d'écriture du brouillon en considérant qu'on va virer 20% du texte écrit, parce que mieux vaut quand même avoir plus de matière pour pouvoir tailler qu'en rajouter. Donc si on considère qu'un roman fait à peu près 100 pages au format brouillon, c'est qu'on a écrit 120 pages. Et 120 pages, ça fait à peu près 40 jours de boulot à la suite, en format brouillon. Donc vous voyez, c'est pas excessif, quoi. Moi je m'excuse. Un bouquin qui affiche 130 pages sur le magasin Kindle, en vérité, il en fait 90 à 100 au format brouillon. Et écrire 100 pages, bien sûr, ça peut paraître long. Pour les personnes qui n'écrivent pas, ça peut paraître long. Mais 100 pages, on peut très bien les écrire en l'espace d'un mois et mois et demi. En s'y mettant, bien sûr, tous les jours de manière intense. C'est tout, quoi. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des naïfs, quoi. Il faut arrêter la naïveté. Bon, je m'excuse. J'applique le barème suivant. Jusqu'à 100 pages, 99 centimes, ça se suffit largement. Entre 100 et 200 pages, on peut monter à 2 euros. 1,99 €, et au-delà de 200 pages, bien sûr, quand on dépasse les 200 pages, on peut largement justifier les 3 euros. Mais je m'excuse, un bouquin de 130 pages, 2,99 €, c'est 50% trop cher pour moi. Après, si l'auteur a envie de se faire des cacahuètes en or en vendant le bouquin 3 euros, tant mieux pour cette personne. Mais je préfère autant vendre 10 exemplaires à 2 euros, enfin à 1 euro, qu'un seul à 2 euros, quoi. Ça, c'est plus intéressant.
C'est tout, quoi. Chacun ses préférences, mais je préfère t'en vendre plus de bouquins moins cher que peu de bouquins et plus cher. Chacun son point de vue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je tiens à préciser que c'était nullement une attaque contre quelconque auteur que ce soit. La personne en question, c'était l'exemple que j'ai voulu prendre. Ce n'est pas non plus de la pub pour mon bouquin qui n'existe qu'en format papier et en deux exemplaires. Voilà. Et qui fait 230 pages au format papier. Donc vous voyez, c'est pas excessif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et surtout, si vous voyez un bouquin 2,99 et qui fait moins de 200 pages, c'est vraiment trop cher. Ciao!